C'est un grand match aujourd'hui, Pilou. Les trolls de Transylvanie ne vont faire qu'une bouchée des spectres de Frankenberg. Je l'ai trouvé, papa. Ah, merci, ma chérie. Je ne peux pas regarder un match de croque-ball sans mon super chapeau de supporter. Tu crois vraiment que l'équipe des trolls va gagner ce soir, papa? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait comment les encourager. Hein? TRO2NS, allez les trolls, allez, vous allez gagner, entendez-nous hurler. Oh, ce cri me fait frissonner jusqu'aux orteils, j'adore ça. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma sœur Olga vient nous rendre visite et elle emmène la petite Nosferatu avec elle. Tata Olga vient avec ma nouvelle petite cousine. Oh oui. J'étais sûre que ça te ferait plaisir. Ça ne te dérangerait pas de garder ma petite nièce ce soir, Boris? Ce soir? Mais c'est la finale du championnat de croque-ball. Olga et moi, on sort prendre un bain de lune et après, on part faire un petit vol de nuit. C'est vrai que j'adore m'occuper des petits monstres. Mais ce serait dommage que tu rates le match de croque-ball. Je pourrais garder nos filles. J'ai toujours voulu faire la vampiciteur et jouer les grandes sœurs. Allez, dites oui. Je lui donnerai à manger et je l'endormirai. Et je suis sûre que Poppy et Bridget seraient contentes de faire les nounous. Si Grégoria et Demi sont là pour vous aider, je pense qu'on peut vous la laisser. Oui, tu verras, maman, je serai la meilleure des vampiciteurs. Je vais prévenir Demi et Grégoria. Moi, m'occuper d'un bébé vampire? Oh, désolé, mais tu as frappé à la mauvaise pierre. Oh, ne dis pas ça, les bébés vampires sont des créatures adorables. Je ne connais rien de plus mignon que ces petits monstres. Je me suis souvent occupée de toi quand tu étais petite. C'est vrai, je suis d'accord que les bébés vampires sont très mignons. Mais les surveiller, c'est pas de tout repos. Ne t'inquiète pas, on ne sera pas tout seul. Irina, j'ai apporté des jouets pour occuper ta petite cousine. Oh, oh, il est très joli, très rose et très humain. Demi a raison, les bébés vampires s'amusent avec des jouets qui ne ressemblent pas du tout à ceux des bébés humains. Ils sont très différents. C'est exactement ce que je disais. Ah, les voilà. Oh, regarde-la. Oh, elle est jolie comme un cœur de vampire. Oui, hein, on dit qu'elle a mes yeux et la dent de son papa. Je peux la prendre, Tata Olga? Oui, bien sûr. Coucou, Nosfi, c'est moi ta grande cousine vampirina. Je vais bien m'occuper de toi. Oh, mais oui, je vais m'occuper de toi. Elles sont vraiment à croquer toutes les deux, vous ne trouvez pas? Allez, c'est le moment idéal pour aller prendre un bain de lune. Le soleil s'est enfin décidé à se coucher. En voilà une sombre idée. On sera de retour dans une momie. Dans un moment, je veux dire. Amusez-vous bien avec Nosfi. C'est un vrai petit ange. TRO 2LS, allez les trolls. J'adore sa petite bouille bleue, elle est craquante. Et regardez comme ses petits crocs sont adorables. Oh, coucou toi. Elle a des crocs? Elle ne meurt pas? C'est dangereux. Non, ne t'inquiète pas, elle est gentille comme tout. Oh, oh, mais oui, je suis sûre qu'il n'y a pas plus mignonne que toi. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Oh, Grégoria, comment peux-tu être insensible à cette jolie petite frimousse? Cachée, trouvée. Cachée, trouvée. Oui, bon, j'avoue, elle est plutôt jolie. Elle est très jolie, cachée. Elle est où? Bouh.